T'as cru que je t'avais pas entendu, frérot? C'était bien joué. Pourquoi tu fermes pas ta gueule, Philippe? Yop et Tryhard, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone, des astuces pour que vous puissiez avoir un meilleur shoot, pouvoir enchaîner les kills et réaliser votre premier top 1, 10 kills, 20 kills, 30 kills ou 40 kills et que vous puissiez être un monstre sur le jeu. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, je tiens à capter votre attention pendant 1 minute 30, enfin je me permets, tout simplement pour remercier déjà les fidèles à la chaîne. Il faut savoir qu'en ce moment, la chaîne est en train d'exploser grâce aussi un peu à Warzone, le contenu et tout ce qu'il faut. Et c'est un truc de fou, c'est en train, après une inactivité pendant 3 mois, la chaîne est en train de remonter de ouf, entre 400 à 500 abonnés par jour. Je reçois en l'occurrence Modern Warfare 2 gratuitement pour en faire la promotion et également le pass de combat de la saison 3 via Activision, et je remercie énormément donc les personnes qui soutiennent la chaîne, chaque like, chaque partage et tout ce qu'il faut, ça fait grave plaisir. J'essaye toujours de vous proposer des gros gameplays et tout ce qu'il faut, et voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je vais remettre dans l'espace commentaire ou également dans la description le logo Tryhard Army pour ceux qui sont vraiment très fidèles et pour ceux qui connaissent évidemment le logo via BO4. Je vais le remettre également, ça me permet également de voir aussi les personnes qui sont fidèles à la chaîne. Donc je remercie infiniment ce genre de personnes qui chaque fois like, partagent les vidéos, parce que ça aide énormément la chaîne, son évolution et tout. Et voilà, même les critiques positives en train de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, même si je sais que de temps en temps des fois je suis un peu obligé malheureusement à une certaine vidéo de mettre une double musique. Je sais que certaines personnes ont compris que c'était par rapport au copyright YouTube, et sinon la vidéo se faisait strike et je me prenais un bannissement. Donc voilà, les personnes ont un peu compris par rapport à ça et je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, chaque like, chaque abonnement que vous faites, ça fait grave plaisir. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à dire dans l'espace des commentaires, tu seras vraiment bien accueilli par tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Chaque like fait vraiment la différence. Voilà, maintenant je vais pouvoir donc attaquer ce sujet de vidéo. Et évidemment, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. On va attaquer sur 3 astuces qui m'ont permis en tout cas de m'améliorer à travers les différents Call of Duty, mon shoot, mes déplacements et tout ce qu'il faut. Mais là, on va parler énormément du shoot pour que vous puissiez en fait vous améliorer. Et il y a pas mal de techniques en réalité, autant que ce soit sur Call of Duty multijoueur ou que ce soit également dans le multi Warzone. Et il y a énormément de techniques et on va attaquer tout ça évidemment. Tout sera illustré par un gameplay que j'ai réalisé très récemment, qui est de nouveau un 22 kills. Oui, je sais, ça fait la 3e fois que je vous propose un 22 kills. Je suis toujours bloqué par ce foutu 22 kills. C'est toujours assez embêtant. D'ailleurs, le gameplay a été réalisé pendant les bugs de serveur d'Activision. D'ailleurs, Activision, j'ai un petit message pour vous. Sortez-vous les doigts du cul! C'est toujours un plaisir de mettre du Kaamelott dans mes vidéos. Enfin bref, on va donc attaquer par les astuces qui m'ont permis d'avoir à l'heure actuelle un bon shoot. Je ne vais pas dire le meilleur parce que c'est clairement faux, mais avoir un bon shoot, pouvoir justement enchaîner mes adversaires plus rapidement, et j'ai pu également m'améliorer grâce à Warzone, grâce à quelques petites techniques. Bon, déjà la première technique, c'est ceux qui ont évidemment le jeu, ceux qui ont Call of Duty Modern Warfare, ceux qui ont acheté le jeu. Cette technique, si je l'ai déjà donnée à l'époque, et je pense que beaucoup de gens la connaissent parce que c'est une technique assez répandue pour les personnes qui essayent de réaliser des grosses games, genre des plus de 100 kills, des nucléaires, des doubles nucléaires, voire des triples nucléaires, et qui veulent vraiment s'améliorer, vous vous amusez à faire des parties privées avec des bots au maximum. Vous les mettez soit en normal, soit en mode easy, mais je recommanderais vétéran. Vous mettez en vétéran, et le but, ça va être soit d'enchaîner les têtes, ça dépend de quel genre d'aim vous voulez vraiment améliorer. C'est vrai que vous pouvez mettre tuer seulement dans la tête, comme ça va vous améliorer. Ou sinon, tout simplement, vous mettez en vétéran et le but, vraiment, ça va être d'enchaîner vos adversaires le plus rapidement que possible. Et croyez-moi qu'en vétéran, c'est pas aussi simple que vous le croyez. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut enchaîner, il faut se dire qu'il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Et c'est bête de dire ça, de dire qu'il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, mais en fait, vous allez forcément débloquer des réflexes. C'est comme si je te dis, par exemple, Roger Federer, quand il s'amuse à faire ses coups droits. Vous croyez que c'est arrivé du premier coup, le coup droit? Non, effectivement, c'est pas arrivé au bout du 100e coup droit, non plus. C'est pas arrivé au bout du 1000e coup droit, non. C'est arrivé au bout du 100 000e, au bout de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Vous faites ça chaque jour pendant 30 minutes pour ceux qui ont le jeu. Chaque jour, vous faites ça.
des bottes. Pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty Black Ops 3, lorsque j'avais un shoot, vraiment, c'était vraiment un shoot de psychopathe, ce que j'avais sur BO3, je faisais que ça. 20 à 30 minutes par jour de faire des bottes en train de m'entraîner, en train de viser la tête, en train de viser tout ce que tu veux. Vraiment, c'était un truc de malade. Et ça améliore vraiment le shoot. Parce que plus vous allez le faire, et plus vous allez créer des mécaniques. Des mécaniques dans votre cerveau qui vont vous dire « Ok, maintenant je fais ça, tac, tac, tac. » Vous pouvez même vous amuser à faire ça différemment. Si vous voulez tout simplement viser que les headshots, si vous voulez faire ça un peu au sniper, même si le sniper, je recommande pas forcément, parce que je trouve qu'on débloque plus facilement les réflexes en multijoueur. Mais à force de faire ça, vous allez vous améliorer et vous rendez vraiment pas compte. C'est une vraie astuce et que beaucoup de joueurs pro, beaucoup de personnes en matière générale ont fait pour améliorer leur shoot. Évidemment, si vous êtes sur PC, ça c'est le petit truc, Kovacs, je pense que là-dessus vous êtes tous au courant, c'est vraiment un putain de bon truc pour vous améliorer pour tous les joueurs clavier-souris. Voilà, ça c'est la petite astuce PC, mais je pense que vous êtes au courant là-dessus, vous n'avez pas besoin de moi par rapport à ça. Deuxième astuce, et ça va être un truc qui semble tout bête, mais en réalité, ça va être savoir jouer avec toutes les armes. Récemment, je pense que les personnes qui me suivaient il y a genre 2 mois ne me voyaient même pas jouer au sniper sur Call of Duty Modern Warfare, donc là, Warzone est sorti, et comme j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, que c'est une énorme méta avec les snipers et que tu peux one-shot très facilement dans la tête. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'améliore, je trouve que le sniper est vraiment super puissant, et j'ai appris pendant... je crois 3 ou 4 jours, et j'ai fait que du sniper, à me forcer à faire du sniper, même si de base je suis pas un énorme fan, et en fait je me suis rendu compte que, de temps en temps, quand tu te retrouves face à une équipe, tu descends des mecs d'une facilité incroyable, c'est 3 têtes qui tombent, c'est fini. Si tu sais bien viser, premièrement, tu vas faire du kill, parce que plus tu vas être capable d'enchaîner avec un sniper, ou même n'importe quelle arme, etc., tout en ayant des bons déplacements, ça va te permettre non seulement d'enchaîner plus rapidement, non seulement de pouvoir te garder des plaques, de la vie et tout ce qu'il faut, parce que tu vas descendre très vite tes adversaires, et c'est ça le plus important en réalité. Avec l'aim et le déplacement, c'est que si vous savez jouer avec une arme, si vous savez jouer avec un fusil à pompe, si vous savez faire ci, si vous savez faire ça, en réalité vous allez vous améliorer. Même avec le shoot du sniper, bah, je me suis énormément amélioré, et ça m'a permis vraiment de viser que des têtes. Je me suis amusé que des têtes pour justement bien apprendre à jouer. Et c'est super important. La troisième astuce, c'est encore totalement différent. C'est une technique, en fait, que très peu de gens s'amusent à faire en matière générale. C'est vrai que c'est un peu space, hein. C'est vraiment très très space comme méthode. C'est faire du 1v4. Vous faites soit du 1v4 si vraiment vous avez quand même un bon niveau et que vous voulez encore vous améliorer, ou vous faites du 1v3 sur Warzone. De nouveau, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir vous dire dans votre tête que si vous ratez une balle, vous êtes mort. Surtout ce qui va se passer en solo vs trio. Et c'est à ce moment-là où il va avoir une sorte de peur et de pression, et à force d'avoir cette peur et cette pression, tu vas devoir la gérer et tu vas devoir te dire « Bon, maintenant si j'arrête d'avoir un shoot mauvais, je vais aller descendre les types. Si je vais être assez intelligent, si je vais avoir un bon shoot, je vais être capable de descendre une équipe à moi tout seul. » Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que à force de faire ça, à force de faire cet entraînement, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites au niveau du shoot, vous n'allez plus rater une ou deux balles. C'est que tout doit être parfait. Boum, je laser. Boum, je laser à droite. Boum, je laser à gauche. Et à force de faire ça, à force de vous entraîner, ça va même vous entraîner au niveau du déplacement. Mais le 1v3, donc le solo vs trio, ça va vraiment vous permettre déjà d'avoir un shoot potable, et en plus que potable, et en plus de ça, d'obtenir intelligemment et inconsciemment des déplacements lorsque vous allez jouer en 3v3 ou en 4v4. De nouveau, c'est des mécaniques de jeu que vous devez absolument apprendre, et ça va vous permettre d'acquérir de l'intelligence de jeu. Beaucoup d'intelligence de jeu, et c'est les deux choses les principales sur Call of Duty, et surtout dans un Battle Royale, c'est l'intelligence de jeu, déplacement et shoot. Même si je mettrais d'abord le déplacement, ensuite le shoot, parce que si tu cours comme un débile et que tu as un shoot parfait, tu vas te faire fumer par tout le monde. Je dirais d'abord le déplacement, ensuite un peu le shoot. Et non, un tout petit peu, genre si on doit faire un graphique, tu mets 0,2 mm, vraiment. Parce que le déplacement, pour moi, c'est ce qui fait clairement la différence entre un joueur exceptionnel et un bon joueur. Parce que c'est ça qui fait vraiment tout. Voilà, je vous laisse maintenant avec la fin de ce live, en tout cas c'était en live, et vous allez voir comment on est, voilà, si on a fait top 1 ou pas, etc. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone.
Ciao, ciao tout le monde. Faut qu'on fasse gaffe. Y'a un shop à droite. Ouais, mais il faut qu'on aille le Réa d'ailleurs, le Dan. Droite devant, droite devant. Réa Dan. Attends, ils sont là. Attends, bouge pas. Ouais, bouge pas. L'arca, j'ai balancé une bombe. Vas-y, go. Un à terre. Ouais. Achète des drones, achète. 27 mètres, à droite, LT. Attention, y'a un mec à droite. On va tirer, les gars. Attention, il en reste un. À droite. Non, encore un. Encore. Attention, le dernier. Attention, le dans le bac. Ok, il est là. Il est chaud, LT, il est chaud. Ok, il est mort. Attention, dans le bac. De la qualité. Attention. Attention, il nous reste pas. Une balle, mort. C'est son pote. Sur moi. Ok, Dan, là. À gauche. Il est là. T'as 4 armures, là, t'es là. T'as 4 armures. Dan, prends les classes, quand tu prends tes classes, Dan. La zone, Ouais, mais attends. Faut que Dan y prenne tes classes. Il reste encore 20, mec. Putain, fais chier, j'ai pas pris ma classe sniper. J'ai oublié de la refaire. Alors, viens, on rentre là doucement, LT. Ah, il faut que j'essaye de re... Ouais, mais attends. Et rush pas trop, gros. Ça se fight à ma droite, LT. Hein. On peut aller les piquer. Hein. Droit devant, moi, y'a un gars. Mais... Il est là, il est droit devant. Je l'ai envie de jouer, mais je pas. Tu veux pas attendre avec la zone, hein, parce qu'on a l'avantage de gros, la zone. Là, j'ai des frics qui l'ont devant moi. J'arrive. Allez, c'est parti. Ouais, là, fais gaffe, gros, qu'on se fasse pas de bac parce qu'il y a encore une autre équipe, gros. Fais gaffe. L'hôtel. Là, y'en a. Laisse-le venir, il va devoir sortir. Touché. Mort. Ok. Il en reste un, deux. Deux sur moi, j'ai besoin de toi. Ping. Là, derrière le camion. À terre. Ok, LT, j'ai besoin de plaques. Bah là, il me faut des plaques. Non, il est là. Gay, où? À l'intérieur. Tuez-le, il est là. Non, il m'a tué. Aïe. Réa, toi, LT. Putain, si ça passe, ça. Réa, non. Là, t'avais ton qu'est-ce corps, que je t'ai dit? T'avais ton corps. Attends, 37. Attends, mais gros, on était à 32. On était. Mais gros, c'est quoi la game point de faire? On était à 47 kills, LP.